Donc bonjour à tous, avec le 90, on se retrouve pour la suite de Uncharted 4 sur PS4. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, donc là on est. Je sais même plus où on est où en fait. Ok, il y a pas mal de gardes. Alors, on va utiliser notre intelligence. J'arrive pas à croire que je suis sorti. J'arrive pas à croire que je suis ici, avec toi, en Italie. Voilà, donc en Italie. Moi non plus. Cela dit, j'aurais préféré que ce soit dans des circonstances plus agréables. C'est sûr. La vue est plus sympa de ce côté. Oh shit. Mais c'est pas la première fois que tu viens ici. Non, ça doit faire la troisième fois. Pour des petits boulots à chaque fois. Avec Sullivan. Oui. Bon, Sam n'aime pas trop Sullivan, alors que lui est super sympa. Hein. J'ai vu dans les autres charts, il était toujours avec nous, quoi. En plus, c'était le témoin de mariage de Nathan. Je vois pas comment on peut monter sur ce point. Regarde, il y a bien cette poutre là en dessous. Tu peux l'atteindre avec la corde? C'est à moi que tu poses la question. Vise un peu ça. Je ne fais que ça. Bon, bah. Raté. Tu vois? Ouais, pas mal. Pour une seconde. Allez, on va grimper, mon gars. Par où il faut? Ok, par là. Ok, y'a pas de problème. T'as vu ça? Waouh, un vrai pro! C'est ton tour! Bon, on peut pas passer par là. Alors Sam, tu t'en sors ou pas? Ok, on va où maintenant? Ok, on va encore descendre. Hop. C'est parti. Du premier coup. Arrête un peu de te la raconter. Ok, allez Nathan. À mon avis, si tu descends, tu seras beaucoup mieux placé. C'est bon, j'arrive. T'es sérieux? Si je descends? Ok. Il y a le mollo, gros. Okay. Allez. Bon, on a récupéré. Putain de merde. T'es sérieux? Non. Non, non, c'est de l'autre côté, mec. Allez, hop, parfait. Putain de merde. Bon. Là. Non, on s'est trompé de côté, les gars. Non. Voilà. Ah. Ça me saloperie. Non. Attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, c'est bon. No, ma c'est pas vrai, t'as vu ce type? Il est armé jusqu'au dents, cet empire. On aurait dû prendre des flingues. On va gérer ça tout en douceur. On n'en aura même pas besoin. J'espère que t'as raison. Comment ça me... Ah, toutes ces années... C'est les petites choses qui m'ont le plus manqué. Voilà notre fenêtre. Bien, on y est presque. Comment ça me peut être aussi, me dire, athlétique alors qu'il fume comme un pompier, quoi, c'est un truc... Bon, je l'ai vu glisser vers le bas, MDR.
Ça devrait tenir. Ah, je dois descendre en rappel. C'est bon, je vois. Allez, on descend maintenant. Tu rigoles. Oh putain, tu m'as fait peur, mec. Oh, je me souvenais pas que les atterrissages étaient aussi raides. Ah ouais, m'en parle pas. Alors, les fameuses découvertes, celles que j'ai manquées, est-ce qu'au moins t'as pris des photos ? J'aurais bien voulu. Elena avait des vidéos, mais la caméra a pas survécu. C'est dommage, ça. J'ai quelques dessins, quand même. Dès qu'on rentre, je te les montre. Comment ça, t'as des dessins ? Et ils sont aimantés sur le frigo ? Quoi ? Mais non, ils sont super beaux. Ah, j'ai trop hâte. Pourquoi il a voulu qu'on passe de l'autre côté, je crois. Bon, tu y arrives, ça? Ok. Ah, par là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air carrément dangereux, tu vois. Oh, merde! Tout va bien, là-haut? Ouais. Ouais, ça va. Ok, on a réussi à... Oh, bordel. Putain, il devrait avoir ce genre de... d'exercice à l'école, au lycée, quoi. Genre le parcours, ça serait super intéressant. Et ok, mais comment on va voir? T'as pas intérêt à rater ton coup, là. Ouais, ouais, je sais. Mais je rate. Ah. Ok, c'est à notre tour. Relève-moi. Ça y est, merci. Nathan ? Nathan ? Mais quoi ? Oh, ouais. Ok. Ça va ? Ouais. De quoi j'ai l'air ? D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Sully ? Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs ? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Ça fait un bail. Ah, trop longtemps, mon gars. Tu te souviens de mon frère, le Maccabé ? Victor ? C'est pas croyable. 15 longues années. Ouais. Content de t'avoir en vie, Sam. Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok ? Ouais. À ce propos. Quoi ? Comment ça, à ce propos ? Mais j'ai un truc à vous montrer. Regardez. C'est la croix d'Avry. Ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lots. Il faut un sacré paquet de fric pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères ? 10 ou 15 minutes, maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer.
Le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok, ok. On a juste besoin d'une diversion. Genre... J'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix... C'est ça la solution ? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allé en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière... Et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. Scusate, signore. Antipasti? Ça va, merci. Salut. Comment ça va? Ciao. T'arrêtes tes conneries? Un serveur se ferait pas remarquer. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. Victor, je dois dire que les années glissent sur toi. Parce que je suis devenu végétarien. Excusez-moi. Merde, pourquoi on est là? Tu veux me parler? Tu fais quoi? Je réfléchis à notre stratégie de repli. Ça risque d'être tendu. Des stress. On a réussi des cases bien plus compliquées. Ouais, je sais, je sais. J'essaie juste de pas trop penser à ce qu'ils feront. Putain, c'est un bel endroit. Tu sais, si ça tourne mal, on sera mort avant même qu'ils nous attrapent. C'est fou ce que c'est rassurant. C'est sûr. Putain, je pourrais vivre là-dedans sans déconner. Bon, je me ferais chier, ça c'est sûr, mais... Oh putain, cette bibliothèque. Oh mon dieu. Ça peut péter une des mecs, hein. À mon avis, ils ont dû racheter le domaine puis y rénover. Et acheter les meubles anciens, en fait. Ça, c'est plus grand. Ça fait 5 fois la tête du Stade de France. Début d'enchère à 19h, précise à toutes les enchères. Ils sont définitifs, tous les paiements sont exigés à minuit ce soir. L'utilisation d'enregistreurs complices 1 ou plus 1 ou le non-paiement de vos objets en train de vous permettre le transport de vos objets au cas d'échéance pour être organisé avec les dirigeants du domaine Rossi. Détenteur. Détenteur. Archer 6 soldats. Acquisition. Statue pantin. Elle est où la croix? Crucifix de bois, précédent. Bah, c'est ça. Propriétaire de Sir Nicolas Trott. Doublon. Ça doit être un des pirates qui était sous les ordres d'Evry. Merci à ta blague. La cave se trouve ici. Allons-y. Oula. Oh, quel luxe. Évidemment, faut qu'il passe de la techno européenne à deux balles. Et dispatché. Dispatché. Celui, t'es où, mon pote? J'ai su mon... Ah, ok, t'es là. Ok, c'est parti. Merde, c'est fermé. Et pourtant, c'était ouvert tout à l'heure. Bon, et alors? On peut la forcer? Non, c'est électronique. Va falloir trouver un autre moyen. T'as vu ça? La carte, poche arrière gauche. Ouais. Je m'en charge. Oh là, oh là, oh là, oh là. T'es sûr de vouloir faire ça? Il y a beaucoup de témoins potentiels. T'inquiète, j'en suis pas à ma première fois.
Ok. Bon, on va prouver qu'on est des bonnes. On va piquer. On va faire notre pickpocket. Si on fait ça, oula, t'as vu? Oh, le bug. Mais bon, je pense qu'avec la mise à jour, ok. Allez, on va réessayer. On va avoir besoin de ça. Parfait. Bonne chance. On reste en contact. En l'air. Bonjour, Victor. Bonjour, Nadine. C'est un plaisir de te revoir. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben, heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai du mal à te reconnaître sans ton treillis. Ouais, tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Faut se pomponner. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on n'est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien, faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose ? Oui, un whisky. On the rocks. Je reviens vite. Nate ? T'as entendu tout ça ? Ouais. On dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui, cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross. C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires ? Coastline, c'est ça ? Shoreline. Ah ouais, voilà. T'as pas eu un souci avec eux ? Ah, ça c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Oh, je vais essayer. On y va ? Ouais, c'est parti. Alors. Il va falloir qu'on trouve où crèchent les serveurs et les trucs. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. Donc, perso, Nadine Ross, elle est. Il y a assez de bouffe ici pour l'actrice qui joue. Je me demande. Ouais, je la trouve. Leur gamme de services est très étendue. Mariage, bar mitzvah, vente aux enchères clandestines. Très mignonne, hein. Enfin, mignonne, mais hyper athlétique. Hein. Vous avez peut-être vu. Vous avez peut-être remarqué ses épaules larges et ses muscles dans le du bras, quoi. Salut, les gars. Tu veux un serveur là-dedans ? Non, que des gorilles armés jusqu'aux dents. Ah, ouais, sur des toits. Les meufs hyper athlétiques se font un petit peu peur. Cette porte n'apparaissait pas sur le. C'est surtout leurs épaules. C'est fermé, évidemment. Bon, passons au plan B. Faut qu'on se dépêche quand même. En fait, toutes mes vidéos durent 60 minutes, à peu près. Et c'est trop en fait. Va falloir que je les divise en plusieurs. Bien joué. En plusieurs. Non, en deux parties en fait. Là, c'est chaud. Tiens, il y a des conduits d'aération là.
Nathan, viens voir par ici. Nous y voilà. Que la lumière soit. Ah merde. Et la lumière ne perdura pas. T'aurais pas une lampe sur... Ça fera l'affaire. C'est toujours une bonne idée d'avoir un fumeur avec soi. Enfin, son citron. Oh, toutes ces vapeurs là. Ça commence à me monter à la tête. Heureusement, c'est celui qui conduit. L'entrée de ces conduits est peut-être cachée par ce tonneau. C'est plein de millésimes très rares. Ouais, peut-être qu'Alcazar se contentera de quelques bonnes bouteilles. Il y avait une porte. C'est pas un peu inquiétant que Victor drague Nadine Ross? Tu sais, il y a des histoires flippantes qui courent sur elle, ces hommes. T'inquiète pas pour celui. On peut sortir de n'importe quelle situation. Là, de côté, il nous a entraînés. Hein. Allez, voilà. Déplacer ce putain de tonneau, ce fake. Très bien joué. Passer par derrière, je pense. Oui. Hop. Oh. Par là. Ouais. Hey, ces conduits d'aération, voilà notre sortie. Ouais, faut trouver un truc pour grimper. Celui-là. Ouais, j'ai compris. Surtout que personne ne vienne m'aider. Je tiens le briquet. Je tiens le briquet. Quoi, tu peux pas grimper ce truc-là? Ah d'accord, c'est sur le côté. Dégage. Bon, allez, on grimpe. Et voilà. Ah, c'est plus serré que ce que je pensais. Et plus sale aussi. Cosa portiamo quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Non rischio poi di manchare il server. No, vabbè, mi sa che non ci serve. Poi tu sei mafioso. Non capirebbe la differenza. Non piace aspettare. Questa gente. Potrei che ci apprenda aussi l'espagnolo. Enfin, je revois l'espagnol, j'apprends aussi l'italien. Merde. Attends, t'es drôle. Ok. Si procurano tutta questa roba. Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Oh, enfin, le bon air frais. Lui, ça leur conduire. Je savais pas que les conduits pouvaient s'ouvrir. C'est fascinant. Eh, hey, viens voir ça. Tu vois le bâtiment avec la tour radio, là? Tu veux dire la tour de relais? La quoi? Peu importe, c'est le local électrique. Ouais, t'as raison. Faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte. Oh. Sam, là-haut, je vais t'aider à monter. Vas-y. Allez. Heureusement que tu t'entretiens. Allez, grimpe, ça fait mal temps. Allez, on y est. Sully, on vient de sortir de la cave, on se dirige vers le local électrique. Comment ça se présente? Sully? T'es là? Oh, je suis. Ah, il doit avoir du mal à capter là où il est. J'espère là où il est ou là où on est. J'ai trouvé la cuisine! Et bien sûr, elle est fermée. Sam, regarde.
On peut peut-être utiliser ça, trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'aide à grimper là-haut et toi, tu t'occupes de l'échelle. Quand tu veux, mec. Buonasera. Ma che sta facendo? Vas-y mollo avec les civils, Sam. Quoi? Il va se réveiller en quel but avec la migraine? Ça nous est déjà arrivé, non? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. C'est plus facile qu'à dire qu'à faire, bordel. Ok, direction le local électrique. Ok, c'est juste là. Ça va bien. Ça va, c'est juste que ce pantalon est un peu trop serré. Ah, c'est la mode, qu'est-ce que tu veux? Sérieux? Mais je peux plus respirer. Ah, bah c'est sûr qu'on est plus à l'aise en plus tôt là. Bon, je retourne à la salle de bal, gros malin. Bon. Sam, t'es là? Sam? Sully? Super. Ok, donc il va falloir qu'on grimpe. Ouais, mais comment? Je suis pas un magicien, bordel. Putain, il y a même des bouches. Peut-être par là. Ça serait plus logique. Les gars, si vous m'entendez, je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt. Si tout va bien. Oh merde. Je l'ai raté, putain. Putain, ça fait chier, il peut pas prendre de l'élan. Allez hop. Putain, désolé les gars, ça a lagué. Posé de votre part. Pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord.
T'as vu quelqu'un que tu connais? Non. Je l'ai cru un instant, mais non. Alors quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire, Drake? En fait, c'est mon ex-partenaire. Non, ça fait un petit moment que je roule en solo maintenant. Drake est hors circuit. Oh. Alors, il est mort? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Aux dernières nouvelles, il était rangé, il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non? Victor Sullivan. Ravi de te revoir. Bref. Ça fait un sacré bail. 10 ans, peut-être. 12? Non, 15. Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment? Il me semblait que tu avais repris l'affaire de tes parents. C'est mon affaire, maintenant. Mais oui, tu as très bonne mémoire. Oh, tu dois te toucher un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, tout ce que je cherche, ce sont les bonnes affaires. Rafler le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir? Eh, ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous, mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des lots. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve. Tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant nés. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Ah. Eh ben, je suis désolé de briser tous tes élans. Mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaire sur ce coup-là. Je vois. Oh, oh. Quel charmant petit couple. Dans quelques instants, nous commencerons les enchères sur notre prochain lot. Un crucifix en bois incrusté ayant appartenu à la famille. Bon, comme j'ai pas envie de tenir la chandelle, je vous souhaite une bonne soirée tous les deux. Attends un peu, Sully. Comment t'as entendu parler de ça? Ça? Et de quel ça tu parles, Rafe? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de Bloody Mary. Arrête de coller, vieux débris. Je sais pas comment t'as fait pour t'incruster ici, mais si t'es là seulement pour enchérir sur la croix d'Avry, alors là, je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce sera un kiffant. Eh bien, on s'est compris, je crois. Ravi de vous avoir revu. Nate. Nate. C'est pas vrai, petit, mais qu'est-ce que tu fous encore? Ok. Le fameux local. Je vais y arriver. Ok, juste après, c'est fort encore. On s'arrête. Voilà. Mais pourquoi j'ai choisi le local électrique? Parce que c'est le seul plan. Bon les gens, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super, super plaisir. Et on se retrouve pour l'épisode prochain. Allez, ciao tout le monde. A plus.